Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission qui se fait l'écho des marmites et des palabres qui se tiennent autour des fourneaux. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un ingrédient tellement évident que l'on oublie d'y faire attention. Pourtant, c'est l'un des tout premiers ingrédients, l'une des toutes premières nourritures même. La céréale découverte, écrasée, ajoutée à l'eau pour en faire une bouillie. Nous sommes évidemment à la préhistoire. Et oui, aujourd'hui nous allons rouler dans la farine, mais alors farine au pluriel, bien sûr, farine du monde entier, parce que le blé, autant s'il est omniprésent de ce côté-ci de l'hémisphère, ne fait quand même pas toutes les farines du monde, on est d'accord. Avec nous pour parler de ces farines, une passionnée de levain, de farine, de tout ce qui se fait avec la farine, une pâtissière et naturopathe. Bonjour Jennifer Hartsmith. Bonjour Clémence. J'espère que vous allez bien. Mais je vais très bien, merci. Très bien. Nous rejoindra au fil de cette émission la cuisinière auteure camerounaise Nathalie Brigongoum pour parler des farines africaines et des céréales et racines transformées en galettes, pâtisseries, petits pains et autres délices surprenants.